Bon, je vais vous montrer comment faire la A de la numéro D sur la page 113. On est encore dans le module 3.2. Ici, il vous demande écrire les énoncés de multiplication représentés dans ces schémas. Ça fait, pour commencer, ce que je vais faire, je vais trouver la réponse. C'est quoi la réponse de tout ceci. Puis on vient de voir les carreaux qui sont colorés deux fois. J'en ai trois. C'est ça mon numérateur. Mon dénominateur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors c'est 3 sur 10. Bon. Je vais regarder qu'est-ce qui est coloré rose. Il y a combien de carreaux colorés rose? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 10 qui sont colorés roses. Et maintenant, je vais seulement regarder les carreaux roses. Et j'en ai combien qui sont colorés noirs aussi? J'en ai 3 sur 6. Ou, si vous voulez bien, encore plus simple, j'ai la moitié. J'ai une rangée. Ou 3 sur 6 simplifié, ça me donne une demi. Ça fait une demi. Je vais essayer ceci pour voir si c'est ça mon énoncé de multiplication. 1 fois 6, ça me donne 6. 2 fois 10, ça me donne 20. Maintenant, je vais simplifier, diviser par 3, diviser, 2, je veux dire, diviser par 2, diviser par 2. 6 divisé par 2, ça me donne 3. 20 divisé par 2, ça me donne 10. Alors, ma réponse, mes réponses sont pareilles. Alors, ici, c'est ceci ma réponse. L'énoncé de multiplication, ici, c'est une demi fois 6 dixièmes. Vous auriez pu aussi, si vous faites 3 sixièmes fois, vous auriez pu faire... Ben, vous avez, à la place de faire une demi, si vous avez fait 3 sixièmes, ça fonctionne. Aussi, 1, 2, 3, 4, 5. Vous auriez pu faire fois 3 sur 5. Vous auriez la même réponse à la fin. C'est ça.